Hello, hello! Est-ce que vous savez à quel point j'étais impatiente de vous retrouver? Coucou tout le monde! Alors, est-ce que vous allez bien? Je vois déjà plein de monde, super! Coucou Fafa, coucou Laurence, Christelle, Fabienne, Daniel, hello ma petite coco! Hello, hello! Est-ce que vous m'entendez? Fabienne, l'autre Fabienne, est-ce que le son est OK? Normalement, c'est bon pour moi, tout est calé. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis super contente de vous retrouver pour ce live créatif. Bienvenue, bienvenue. On est mercredi, il est 14h01. 14h01. Et on se retrouve pour notre live créatif et ça me fait super plaisir de vous retrouver. Vous m'avez trop 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 manqué. Une semaine, c'est long en fait. C'est long et ça passe vite. Ça dépend des trucs, hein, mais Coucou Martine, bonjour, bonjour. Je suis hyper excitée aujourd'hui de vous retrouver pour plein de raisons. D'abord parce que j'adore la carte que je vous présente aujourd'hui. Je me suis vraiment éclatée à la réaliser. C'était vraiment un bon moment créatif pour moi. Donc j'espère pouvoir vous le transmettre aujourd'hui au travers de ce live. Et puis, j'ai un nouveau projet à vous présenter. Et ça me fait super plaisir. Je suis très très excitée à cette idée. J'adore. C'est un petit peu de pression à chaque fois, un petit peu de stress. À chaque fois qu'on présente un nouveau projet, forcément, on a une petite appréhension. On espère que le projet sera accueilli avec autant d'enthousiasme que le moment où on l'a créé, en fait. Donc voilà, je compte sur vous pour, enfin je croise les doigts pour que vous soyez, eh bien, que vous appréciez ce nouveau projet que je vais vous présenter dans quelques instants. Bonjour André, comment ça va? Je vois qu'il y en a apparemment, Daniel n'a plus de son. J'espère que tout le monde est OK. A priori, ça a l'air bon. Oui, Fabienne. Oui, et avec du son, c'est parfait. Coucou ma petite Viviane, c'est génial. Bonjour tout le monde. Voilà. Alors, je vous redonne comme d'hab les infos avant qu'on commence la création. Vous allez voir, elle est facile à faire, hein, donc pas de souci. Coucou ma petite Rachel, bonjour Véronique. Oh, Patricia. Mille bisous, Patricia. Ça marchait pas comme ça, boum. Oh, le réseau encore me joue des tours, mais non, ça va le faire. Coucou Christelle. Alors, je vous rappelle qu'il nous reste que 5 petits jours pour pouvoir profiter de la méga off des 35%. Pour devenir une stamp lover, par exemple. Vraiment, je ne peux que vous encourager. Et je me permets une petite remarque, parce que je sais que... Coucou Carole, coucou Cécilia, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent quant aux chiffres à faire pour le trimestre. J'ai envie de vous dire, venez, kiffez, et puis si vous ne faites pas le chiffre en même temps, j'ai envie de vous dire, les filles, vous ne jouez pas votre vie. Juste, vous allez profiter pendant quelques mois. Si vous n'arrivez pas à le faire, c'est vraiment pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Vous n'allez pas mettre toute votre vie en jeu du tout. Juste, au moins, eh bien, venir passer des moments agréables avec l'équipe des Stamp Lovers. Et en plus, mon équipe en ce moment, elles sont à fond dans les créas. C'est un vrai bonheur de voir tous les partages qu'il y a sur le groupe. Cette entraide, cette motivation, cette créativité qu'il y a en ce moment. Ça me remplit, ça me nourrit, c'est un vrai bonheur. Coucou Jocelyne, hello tonton, salut hello, Elodie, pardon, coucou Brigitte. Donc voilà, ouais, c'est ça, ça me nourrit, ça me remplit de voir toutes les créations qui sont faites, les partages, l'entraide qu'il y a au sein de l'équipe, c'est un vrai bonheur, vraiment. Vraiment, vraiment, c'est une vraie joie. Donc venez tenter l'expérience, encore une fois, vraiment. Le plus sincèrement du monde, et je vous le dis droit dans les yeux, vous ne jouez pas votre vie, vraiment. Donc venez tenter, on sait jamais. Coucou Sandrine. Pour vous parler de la suite, merci Rachel. Mais oui, Rachel est une toute jeune stamp lover et elle fait partie de celles qui partagent plein de créas aussi, et c'est vraiment tellement satisfaisant. C'est trop cool. Donc je vous disais, pour passer aux prochaines infos, je vais tourner ma caméra parce que du coup je vais pouvoir vous présenter le nouveau projet. Les inscriptions seront ouvertes demain.
Mais vous pouvez déjà m'envoyer un message en privé si vous voulez eh bien, avoir les infos en avance, avant tout le monde, si vous voulez réserver ce nouveau kit pour le mois de novembre. J'espère vraiment du fond du cœur qu'il va vous plaire. Alors attention, c'est parti. Et oui, il s'agit d'un nouvel album. Un petit album de Noël. Il est tout chaud, tout neuf là. Je l'ai fini il y a très 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 peu de temps et je me suis éclatée à le faire, vraiment. Donc voilà ce nouvel album. Alors là, c'est la collection Promenade dans la forêt ou en forêt, j'ai toujours un bug. Merci Mumu, attends, t'as pas vu l'intérieur. Avec le magnifique ruban pâtisserie Opacane. Hop. Et c'est parti. Coucou Karine, comment vas-tu? Alors attention, vous êtes, c'est une avant-première. Personne ne l'a vu à part vous pour le moment. Coucou Martine. Je ferai une vidéo, enfin j'ai fait une vidéo de présentation qui sera publiée demain, mais du coup voilà. Voilà comment se présente la première page. Vraiment, je vous assure, je me suis éclatée à le faire. Quel bonheur! Hop, on a une petite ouverture ici. Coucou Martine. Hop, ça s'ouvre ici et du coup on peut mettre des photos. M'en fiche déjà la couverture en dit long. Ma mumu, t'es trop mignonne. Voilà, donc là on peut mettre des photos. Évidemment, c'est un petit peu le but d'un album. Merci Karine. Bah toi, t'as pas vu tout l'album. Vous adorez, mais vous n'avez pas encore tout vu. Vous êtes trop forte. Et en plus, tu reverses un don pour les Restos du Cœur. Exactement. Ah, je savais pas, Fafa, que tu étais bénévole. Mais oui, c'est ce que j'allais dire aussi. En effet, cette collection, lorsqu'on achète cette collection, il y a 3 euros exactement qui sont reversés cette année aux Restos du Cœur. Donc, c'est justement, Fabienne, la raison pour laquelle j'ai choisi cette collection, justement. Coucou, Christelle! On continue avec la deuxième page, voilà, qui s'ouvre comme ceci. C'est un album très simple, qui peut contenir à peu près un minimum de 25 photos, mais vous pouvez en mettre plus. Alors là, Fafa, tu m'étonneras toujours. Bravo, je t'admire. Hop, donc il y a des aimants un peu partout. Voilà. Merci Elodie. On a une partie cadre ici. Et du coup, hop, je suis un peu palmée aujourd'hui, il faut pas m'en vouloir. Hop, on a un insert qui se découvre ici. Voilà. Donc on met du sens qu'on veut, hein, et puis on peut mettre plein de photos si on veut. Des deux côtés, pas d'importance. Hop, voilà. Un petit insert tout joli. Une petite pochette ici, toute simplounette, pareil pour mettre des photos. On peut même en mettre plus que deux, hein, puisque du coup, il y a quand même de la marge. On continue ici une page toute simple. On peut mettre une ou plusieurs photos. Là, pareil, on peut en mettre plusieurs. Hein. Voilà, j'ai mis un insert à chaque fois, mais regardez, je passe ma main. Nickel. Donc, vous imaginez, on peut mettre de l'épaisseur. Il y a de la marge avec la reliure. Donc, nickel. Et on termine ici par encore un rabat comme la première page et une super cascade avec le petit nounours. Toc, toc, toc. Voilà, une super cascade où on peut mettre plein de photos. Coucou Isabelle! Ah bah j'allais t'envoyer un message tout à l'heure. Hop, voilà. Et voilà, donc hyper facile, mais avec des petites parties qui sont quand même originales entre cette partie cadre ici, l'entrée ici. Je vous apprends à créer cette partie-là, là, ces petits boutons jolis. Voilà, un super album, super simple. Donc les inscriptions commenceront demain. Merci Elodie. Les inscriptions commenceront demain. Si vous voulez déjà recevoir le lien de l'inscription aujourd'hui, il suffit de m'envoyer un petit message en privé. Alors pour vous donner un ordre d'idée, le kit de l'album, donc tout compris avec, comme d'habitude pour celles qui me connaissent, la fiche technique ultra complète avec les mesures, les schémas, etc. Plus la vidéo pas à pas, donc plus les papiers unis, la collection, le ruban pâtisserie Opacane, la ficelle, les aimants et les attaches parisiennes, eh bien, comment dirais-je? Ça m'agace cette caméra.
Voilà, c'est le kit de base 33 € hors frais de port. Et après, vous avez la possibilité eh bien de choisir la perfo en plus, etc. Mais ça, vous verrez ça sans problème. Mais le kit de base, il est à 33 € avec tout ce que je viens de vous citer dedans. Bon, ma caméra a décidé de faire des siennes encore. Je suis contente de voir qu'a priori cet album vous plaît. Allez! Ça va être compliqué si c'est tout flou comme ça. Fabienne, évidemment, je le veux. Merci beaucoup, hein, Fafa. Chouchou me le livre. Oula, on va voir. Bon, attendez, hein, parce que du coup, voilà, peut-être que. Voilà. Et peut-être que si j'allume un peu plus la lumière, ça sera mieux. Merci, Daniel. Bon, et bien voilà, maintenant que je vous ai présenté mon petit bébé, je vais vous proposer la création du jour, qui est donc la carte que j'ai appelée Fenêtre sur le bonheur, avec une collection qui va sortir début novembre que j'adore. Vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Je me suis éclatée avec la colorisation. Voilà, c'est vraiment, j'adore. Allez-vous faire des boîtes pour y mettre des friandises pour Noël? Alors, j'ai fait un kit de calendrier de l'Avent, Martine. Et des boîtes, j'ai déjà proposé pas mal de tutos déjà. Mais j'en ferai probablement d'autres. Et bien, dans les semaines à venir, bien sûr. Mais il y en a déjà quelques-unes sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, cette collection, elle est incroyable. Vous n'allez pas le croire, je suis en train de chercher le nom que j'ai complètement avalé. C'est quand même fou, ça. Harmonie, voyons, quelle idée. Bonjour Michel. Tu m'as décidé, je l'ai commandé. Bon, bah écoute. Méandre des prairies. Oh là 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 là, mon Dieu. Méandre des prairies. Donc celle-ci, elle sortira. Coucou Sandrine. Elle sortira donc début novembre, le 4 novembre, il me semble. Je vous montre le papier rapidement. Voilà, c'est donc il y a le papier rose qui est là. Mais vraiment, elle est incroyable. Oh, je dois avoir des tutos de grandes boîtes sur ma chaîne YouTube, Martine. Je chercherai, si j'en trouve, je t'en enverrai. Regardez comme c'est beau. On a envie de s'y promener sur ces chemins, je trouve. Hein? On a envie d'aller s'y évader un petit peu. Regardez-moi ces couleurs, ce dessin, le trait. Vraiment, c'est magique. Je l'adore. Elle est absolument splendide. Donc celle-là, elle sort début novembre. Elle est magnifique. Évidemment, elle est accompagnée de 7 de tampons et de poinçons. N'est-ce pas, Annelise? Coucou, Lucie. Comment vas-tu? Bonjour, Annelise. Je crois que je t'ai pas saluée. Ouais, on dirait des peintures. Enfin, celui-là, il est incroyable. Il est incroyable. C'est vraiment une des collections. Alors, si jamais elle vous plaît, début novembre, ne tardez pas, foncez, parce que les exclusivités en ligne, c'est jusqu'à épuisement des stocks, hein. Coucou Suzanne, comment vas-tu? Non, 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 tu n'as pas loupé le projet. Tu as juste loupé le kit album que je propose, mais t'inquiète pas, tu ne seras pas sans le revoir. Là, c'est pareil. On imagine très bien des anges ici. Alors vraiment, hein, si ça vous plaît, je vous redonnerai la date parce que j'ai un gros trou de mémoire, mais il me semble qu'elle sortira le... C'est peut-être le 2 novembre en fait. Juste un petit cadre autour et le tour est joué. Tu m'étonnes. C'est exactement ça. Elle est incroyable. Et du coup, on a avec bien sûr un set de tampons. Voilà, qui nous correspond tellement bien, mesdames, ne trouvez-vous pas? Ah, c'est le 6 novembre. Ouf, je savais qu'il y en avait une qui allait me sauver. Merci Mumu. Ah, on en a une le 6 et une le 7. Voilà. Et du coup, on a bien sûr les découpes qui vont avec. C'est incroyable. Et on a les petits embellissements, les oiseaux comme ça. C'est trop beau. Hello, Maritine. Voilà, c'est une de mes collections coup de cœur. Vraiment, celle-ci, j'ai complètement craqué, craqué, craqué dessus. Alors, a priori, le 7 novembre, donc. Qui dit mieux? Je pense que c'est le 7, parce que si c'est un mardi, ça doit être le 7.
Alors, j'avais envie quand même de voir ce qu'allait donner cette carte en mode Noël, mais en mode Noël festif, joyeux, gai, coloré. J'ai envie de couleurs, j'ai envie de jouer avec mes blends. Donc, eh bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Et je vais quand même vous montrer ce que je vous avais mis l'eau à la bouche avec ça, mais chouchou, chouchou, je lui ai calé. Jocelyne, je vous retirerai ça après sans problème. Je lui ai donné la fiche technique dans les mains, sans la vidéo, voilà. Et je lui ai dit, vas-y, fais la carte. Débrouille-toi, fais la carte. Et ben, il a géré. Regardez. Ça, c'est la carte de Chouchou. Il a fait tout seul comme un grand sans moi. Et franchement, il a assuré. Sympa, hein? Franchement, je trouve que qui s'est bien débrouillé. Voilà. Je la publierai aussi quand même. Alors, c'est parti, on y va. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Hop, on veut du festif et de la gaieté, mais tellement d'accord. Coucou Marie-Christine, je t'avais pas vue. J'attrape mon coup de papier qui s'était fait mis un peu loin. Je peux l'exploiter, tu m'étonnes. J'ai un petit peu commencé déjà. Mais faut pas le dire. Peut-être un amateur de pêche. Oui, il aime bien la pêche aussi. Bravo chouchou, je vais lui dire, il va être content. Quand est-ce qu'il signe? Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. C'est très bien comme ça. Alors. On y va, c'est parti, let's go pour préparer cette carte parce on papote, mais pourtant je suis là depuis le début. Pardon ma petite Claire Christine, je suis vraiment désolée. Coucou Nadine. Alors, on y va. Première étape, la base de carte. C'est un modèle un peu plus grand que ce qu'on fait d'habitude, hein. Je vais me décaler parce que j'ai jamais assez de place, hein. De toute façon, c'est toujours comme ça. Hop, je prends ma petite fiche technique parce que je ne veux pas faire d'erreur. Vous l'aurez, hein, bien sûr, en téléchargement après, sans aucun problème, pour pouvoir réaliser à votre tour cette création. Donc, un morceau qui mesure 24 par 16. Et la moitié de 24, eh bien, j'ai envie de vous dire, je crois que c'est 12. Alors, on fait un pli à 12 sur le côté de 24. Ça va être notre base de carte. Je suis en sapin ombragé. J'attrape mon plioir de beauf... n'importe quoi, mon plioir en os que je n'ai pas encore teint, mais on dirait qu'il est. Voilà. Tant qu'on est là, je vais coller à l'intérieur le premier matage. Ça sera fait et ça va aussi tout de suite donner un petit peu de maintien à l'arrière de la carte parce que mine de rien. Ça fait son poids sur le devant. Annelise va me détester avec la carte. Hop, ici, un mattage qui mesure, lui, 15,5 par 11,5. 15,5 par 11,5. Donc, pas d'inquiétude du tout si vous n'avez pas eu le temps de préparer les papiers avant. Vous pourrez visionner le replay. Télécharger la fiche technique sans problème, donc pas de souci. Bah oui, je te connais, Anise. Là, je sais, tu vas me détester. Elle pèse 3 kilos, la carte. Faudra que tu l'offres à quelqu'un de la main à la main. Voilà. Faudra pas l'envoyer par la poste. Tiens, tu vois, les grands esprits se rencontrent. Hop. Ça, je colle déjà tout ça. Une fois n'est pas coutume, mon matage est blanc, mais c'est voulu. Ok. Un deuxième matage, ici. Je vais garder la même couleur que la base de carte. Okay. Et du coup, celui-ci, il mesure 14,5 par 11. Peut-être que j'ai mal coupé mon truc là. Hein. 14,5 par 11. Non, c'est bon. Ah ben non, c'est bon. Hop, on y va. Celle-là, je peux la coller. Et la dernière partie qui sera la partie blanche, je vais attendre avant de la coller puisque je vais faire un tamponnage dessus tout à l'heure. Donc ça, je le ferai avant
de le coller. Mais du coup, là, ça permet de maintenir un petit peu la base de carte pour la suite. D'accord? Alors, on va attaquer maintenant la partie avant, c'est-à-dire toute cette partie blanche. Il y a plusieurs solutions pour créer les ouvertures. Soit vous avez des poinçons qui vont vous permettre de... Oui, c'est clair, mais là quand même il y a du poids, ne serait-ce que pour cette partie-là, Rachel. Donc même si je supprime un peu là, enfin le melon mambo ici, ça reste quand même assez costaud. Parce qu'il y a toute la partie blanche ici, il y a les décos, le papier à motif, donc malgré tout ça reste un petit peu lourd. Mais si tu reparles pour Anise, en effet, c'est une solution. Alors, je disais donc, pour les poinçons ici, il faut que vous utilisiez des poinçons qui vont évidemment tenir sur l'avant de votre carte. D'accord? Donc faites des tests avant, cherchez ce qui va vous permettre de bien couper de façon équilibrée pour que ça fasse un ensemble harmonieux. Ok? Donc, dans un premier temps, on va s'occuper donc de cette partie blanche, ok, qu'on va plier et ensuite, nous allons nous occuper des découpes. Moi, ce genre de carte, ça va me faire ma décoration de maison. Oh, j'adore! Ça, c'est une belle idée. Donc, pour ce morceau de papier, ici, donc le panneau avant, il vous faut un morceau de 29,7, donc en fait la longueur d'une feuille A4, par 15,5. Ok? Et on va venir faire quelques plis, eh bien, sur ce morceau, et notamment sur le côté de 29,7. Alors, on y va. Il faut vraiment de la place, hein, je vous jure que... Ok. Vous êtes prête? En même temps, on ne va pas l'envoyer à tout le monde, donc un envoi unique, on peut faire un effort. C'est pas idiot, Suzanne, effectivement. Il faut bien choisir la personne à qui on va envoyer cette carte, parce qu'il faut quelqu'un qui va l'apprécier à sa juste valeur. Allez, on y va pour les mesures de plis. Vous êtes prête? 11,5 pour le premier. 11,5. 12,7. 11,5. 12,7. 14. Je répète pour les trois premières. 11,5. 12,7. 14. Je continue, pop, 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 on va beaucoup plus loin. Et on passe à 25,4. Oui Martine, je suis d'accord que c'est compliqué les histoires de avec la poste, mais moi, je tente quand même, parce que ça me fait tellement plaisir d'envoyer des cartes, que bah voilà, c'est comme ça. 26,7. 26,7. Et pour finir, 28. Alors, je répète. On est sur le morceau qui mesure 29,7 par 15,5 cm. Nous faisons des plis uniquement sur le côté de 29,7. Et en l'occurrence, les voici. Si vous n'avez pas eu le temps de les faire, je vous donne un petit récapitulatif à l'image. C'est le schéma que vous aurez à disposition dans la fiche technique après le live. Voilà, vous avez toutes les mesures ici qui partent toujours du début de la feuille. Oui, les envois en suivi sont une bonne idée, effectivement. Ok. Et donc, je vous rappelle que MVM, vous avez toujours une petite légende sur mes fiches, vallée, montagne. C'est pour le sens des plis, soit vers le bas, soit vers le haut. Ok, alors, c'est sur cette grande partie, sur cette grande feuille, aïe, je me suis pincée, que nous allons focaliser notre attention maintenant. Merci beaucoup André, c'est un petit peu ma marque de fabrique, les fiches techniques. J'y tiens beaucoup.
Pour les annives VIP, ça va faire des kilomètres pour les distribuer à la main. Alors là, Martine, je suis bien d'accord. C'est un petit peu compliqué parce que vous êtes quand même relativement nombreuses sur le groupe avec le fichier anniversaire. Donc effectivement, le groupe des VIP, en fait, c'est le groupe de mes clientes dans lequel on a en fait un fichier qui regroupe en fait les anniversaires des membres qui souhaitent y participer. Et du coup, eh bien, ça permet d'envoyer des petites cartes d'anniversaire eh bien, pratiquement tous les mois finalement. Voilà. Et elles sont précieuses, tes fiches. Merci. Merci, ma petite Laetitia. J'y passe beaucoup de temps sur ces fiches techniques, mais je sais aussi qu'elles vous servent beaucoup. Oui, j'apprécie car je suis un peu moins présente sur les réseaux et moins disponible. C'est super. Mon anniversaire, c'est pile dans une semaine. Je dis ça. Je te vois venir. Je te vois venir. Hop. Voilà. Donc, quand je vous disais montagne, vallée, montagne. Voilà. Tout simplement, les deux côtés, c'est pli. Vous connaissez le fait ce que je dis, pas ce que je fais. Attendez. Montagne, vallée, montagne. Là, oui. Si, c'est bon, en fait, c'est ce que j'ai fait. Tu pensais prendre les poinçons en évidence, mais les rectangles sont en décalé et n'ont pas les mêmes dimensions. Oui, je compagnie. Merci Carole, c'est gentil. Poinçons en évidence. C'est lesquels ça, Rachel? Je les ai sûrement, mais j'ai un doute. Moi, je vais prendre les rectangles ébarbés aujourd'hui, comme j'ai fait pour le premier modèle. Après, vous pouvez aussi les faire à la main, hein, les ouvertures, il n'y a pas de souci. Alors, voilà à quoi ça va ressembler. Ok, vous avez vu, c'est super simple. Hein, d'accord? Hop. Alors faites attention quand vous faites vos plis. Ok. Hop. Voilà, ça va être comme ça. C'est quelque chose qui est en 3D. Donc il y aura peut-être un petit décalage quand vous allez vouloir la plier. Mais c'est normal que ça ne s'aplatisse pas complètement. C'est en fait dans le but, dans l'idée que si vous mettez des choses à l'intérieur, que ça n'écrase pas tout complètement. Donc il y a quand même un petit décalage, mais ça passe dans l'enveloppe quand même. Vous voyez, voilà. Quand je ferme comme ça, voilà. Ça, ne cherchez pas à l'aplatir à 100%. L'idée, c'est qu'il reste en fait du volume. C'est pour ça. Bien. Alors, il y a un poinçon, trois rectangles et six cercles. Attends, je vais essayer de regarder rapidement. Ça, ma petite Rachel, j'ai un briquet. Toc. Bah, je dois pas les avoir, Rachel. Je dois pas les avoir. Ouais, je dois pas les avoir. Du coup, je les ai pas sous les yeux. Mais du coup, peut-être prends autre chose. Tu as peut-être autre chose. Pratique tes fiches quand on veut refaire quelque chose plus tard. Merci beaucoup. Alors, on y va. Donc, on a ce petit panneau ici. C'est le panneau qui est là, que nous allons évider. Donc, je vais mettre ça à plat, d'accord? Parce que je veux essayer de faire quelque chose d'équilibré. Ce que je vous invite à faire, moi j'ai mon poinçon qui est là. J'ai mesuré les contours de mon poinçon, d'accord? Pour connaître sa largeur et sa hauteur. Et je me suis fait une petite marque. Alors, peut-être que vous ne la verrez pas, mais je ne voulais pas mettre avec de l'indélébile quand même, ce serait bête. Une petite marque à la moitié en haut et en bas. Vous allez voir pourquoi ça va me servir. Comme je connais la mesure de mon poinçon, là je rentre vraiment dans les détails, d'accord, mais vous pouvez parfaitement le faire à main levée, ne vous inquiétez pas. Je veux juste guider celles qui ont moins l'habitude. Merci Christelle. Donc, j'ai pris le temps de mesurer mon poinçon en longueur et en largeur. D'accord? Et bien sûr, j'ai les mesures de mon panneau avant ici. Et ce que j'ai fait, je vais vous montrer mon brouillon. D'accord?
J'ai dans un premier temps marqué le centre du papier. J'ai aussi calculé en fait que il fallait un écart de 2,1 cm en haut et en bas pour que ce soit équilibré par rapport à ma future découpe. Ok, donc j'ai pris 2,1 en haut et en bas, d'accord, après avoir mesuré mon poinçon, je me suis tracé une ligne et puis je me suis marqué la moitié, donc le centre du papier qui est donc à 7,75, tout bêtement. Ok. Une petite marque en haut, une petite marque en bas, et du coup, comme ça, je sais exactement où centrer ma découpe, ma première découpe. Ok? Brigitte, c'est le... Attends, bouge pas. C'est le deuxième. C'est le deuxième. C'est pas le tout petit petit, mais c'est le deuxième que j'ai pris. Voilà. Et du coup, eh bien, le fait de faire ça, c'est qu'après, je vais pouvoir continuer en fait à faire mes deux autres découpes de façon équitable et équilibrée. Et pire encore, j'ai poussé le vice encore plus loin. La mesure des poinçons extérieurs ou intérieurs. Je me suis basée sur l'extérieur. Sur l'extérieur. Comme ça, voilà, c'est un peu plus simple de baser sur l'extérieur, même s'il y a un décalage, c'est quand même le même poinçon, donc c'est pas gênant. Et du coup, bah pareil, comme j'avais mesuré la largeur de mon poinçon, eh bien j'ai refait des calculs et je sais que à peu près à 0,95 de la droite vers l'intérieur et de la gauche vers l'intérieur, c'est à peu près l'écart qu'il va y avoir entre mes différentes découpes. Donc en fait, vous pouvez vous adapter selon les poinçons que vous avez. Mon poinçon en largeur, il faisait 3,9. 3,9 de large et ici j'avais compté 7,8. Non, 7,3. 7,3. Donc 3,9 et 7,3. Voilà. Donc en fait je vais reproduire tout ça sur l'avant de ma carte. Voilà. Encore une fois, je pousse le détail très loin. Vous pouvez sans aucun souci être tranquille en les posant. Voilà, à main levée sans aucun problème, d'accord? Pas d'inquiétude du tout, du tout, du tout. Donc, je vais commencer par tracer ma petite ligne en haut et en bas pour me guider. Je le fais en même temps, hein, comme ça. Et bien sûr, on part sur la ligne de pli. Hop, 2,1. Donc, adaptez vos mesures selon les poinçons que vous aurez pris. Ok. Donc, si, comme par exemple Brigitte, vous avez les rectangles et barbés, eh bien, sachez que j'ai donc pris le deuxième plus petit. D'accord. Merci, Nani 31. Comment ça va? Hop là. Si je fais pas en très droit, ça va être un peu idiot. Voilà. Hop. Alors, c'est hop. Toc, toc, toc. Et du coup, je me fais ma petite marque à la moitié de mon papier. Donc, on a dit 7,75. La moitié de 15 et demi. Ça va vous arriver à suivre ou pas? Dites-moi. Voilà. Ok, donc là j'ai fait mes deux petites marques au centre. Je vais pouvoir, peut-être avec les poinçons countryside, c'est possible Martine. Comme j'ai mes petites marques ici et là, je vais pouvoir hop, les poser. Et du coup, je vais pouvoir passer ça dans la machine. Je vais le fixer quand même. Alors, mon masking tape que j'avais préparé, il y a encore un chantier sur mon bureau. Ah bah si, il est là. Hop, il était préparé avec la machine. Voilà. Pour les rectangles surpiqués, ça correspond à peu près au deuxième également. Merci pour l'info, Suzanne. Ouais, c'est juste des calculs vite fait. Alors franchement, vous inquiétez pas. Hein. Moi, ma bête noire, c'est les maths. Ok, donc on y va tranquille. Hein.
Vraiment, je suis pas copine du tout avec les maths. Les gens qui me connaissent bien le savent. Ok, je vais prendre ma machine. Hop. Et je vais pouvoir couper. Coucou Sylvie. Mais oui, bien sûr. Le voici. Attends. Hop là. Voilà la carte du jour. Je vais utiliser des plaques toutes neuves aujourd'hui. Oh là là. Toutes neuves que je viens de déballer. Regardez-moi ça, profitez-en. Merci Sylvie. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous plaît, qu'on puisse eh bien faire découvrir ce projet à plein plein de monde. Ça serait trop gentil. Oui, Elodie, pas de problème. Écoute, bon courage, bon après-midi et à très très vite. Hop. Je pose ça là. J'ai, en toute sincérité, j'ai modifié les mesures de base pour que ça passe dans la machine. Non, ça passait pas. Oh, attention, les premières marques sur les plaques. Ah, quelle satisfaction. Voilà. Donc, je ne pourrai plus me passer des plaques magnétiques que j'ai gagnées grâce à toi. Ah, elle tient encore la tienne, Annise. Oh là là, t'as trop de chance. Alors, je retire ça tranquillou. Voilà, pour pas arracher. Toc. N'oubliez pas les petits pouces en l'air. C'est trop gentil, Suzanne. Merci beaucoup. Alors, hop, ça je le mets de côté. Et du coup, comme je veux équilibrer, je vous disais, je fais ma petite marque à peu près à 0,95. Hop, c'est moins d'un centimètre. Hein. Voilà, on ne se prend pas la tête. Voilà, et du coup, je vais pouvoir repositionner mon dies. Voilà, hop. Et je vais pouvoir coller l'autre. Découper l'autre, pardon. Voilà, comme ça, je sais que ça va être à peu près équilibré. Je reprends la machine. C'est bien, je fais du sport en même temps. Bougez pas. Je repasse ça ici. Voilà. Alors, Sylvie, c'est les rectangles ébarbés. Un petit tour de manivelle. Voilà. Et je fais le dernier. On y va tranquillou. Je t'en prie, Sylvie. Ils sont vraiment très chouettes. Et il y a les cercles, pareil, et barbés aussi. Toc. Viens ici, toi. Coucou Nadine, comment vas-tu? 0,95. Voilà. Toc. Mon poinçon. Autrement, si ce n'est pas équilibré, il faudrait se plaindre au menuisier. Ah, oh bah, j'arrive plus à parler. Menuisier qui aura raté la fenêtre. Exactement. Et il n'y a pas moyen de rater la fenêtre du bonheur. Non, mais. Voilà. Du coup, il y a. Ouais, c'est bien. D'avoir un équilibre comme ça, c'est plutôt pas mal. Tac, tac. Du coup, je vous disais que j'avais modifié les mesures. Je vais vous raconter une petite anecdote après. Mais je termine ça d'abord. Et coucou Marie-France, tu vas bien? Je viens d'arriver, je garde mon petit-fils. Oh, profite, profite, profite. Bah oui, c'est les vacances. Parfait.
je peux mettre ma machine de côté, je n'en ai plus besoin. Voilà. On retire ça délicatement pour pas tout arracher. Hop. Du coup, tous ces petits rectangles là, vous pouvez vous en servir pour autre chose ou pour la création en elle-même. Hein. Surtout, n'hésitez pas. Et voilà. Du coup, on a fait toutes nos ouvertures. Vous avez vu, c'est équilibré. Évidemment, si on a fait des petites lignes, on n'oublie pas évidemment de les effacer. Hein, parce que sinon, c'est cracra. Voilà. On efface nos petites marques, nos petites lignes. Pour que le blanc retrouve sa propreté d'origine. Voilà. On y va doucement sur les côtés puisqu'on n'a pas beaucoup de marge. D'accord ? Donc on y va tranquille, tranquille pour ne pas abîmer le papier. Et voilà. Toc ! Vous avez vu ? Voilà. On est bien équilibré partout. Ça fait toujours quelque chose d'utiliser une nouvelle plaque. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça, là, j'ai voulu marquer le coup en vous le disant. Attention, c'est des nouvelles. On en profite. Voilà. Cette fois, c'est OK. Tac. Voilà. C'est pas mal, hein? Alors, maintenant, on va pouvoir compléter l'intérieur. Pour cela, il vous faut un matage. Je reste dans les mêmes couleurs. J'arrive pas à attraper mon papier, ça m'agace. Voilà. Ici. Hop. Qui, en ce qui concerne, mesure 15 par 11. 15 par 11. D'accord. Donc, lui, je peux le coller. Donc là, effectivement, on peut faire des découpes dedans pour alléger sur les conseils de Rachel. Voilà, je vous ai même pas montré ce que j'allais utiliser comme papier. Non, je gardais la surprise. Mais en fait, je vous ai un peu guidé, hein, aiguillé, puisque je vous ai dit que Noël et des couleurs, c'est pas trop difficile, j'ai envie de vous dire. Hein. Et bien voilà, ça sera Noël haut en couleur. Mais je vais le coordonner avec un set de tampons qui m'a fait craquer. Pour le papier à motif, il mesure 14,5 par 10,5. Ça fait vraiment un papier de fond nickel. Très chouette. Et après, je vais essayer d'activer pour la colorisation au blends de mes petits personnages. Vous allez voir. Hop. Voilà. Donc là, hein, franchement, éclatez-vous avec la déco. Faites-vous plaisir, quel que soit le thème que vous choisissiez pour cette création, faites-vous plaisir. Vous pouvez ajouter plein de trucs derrière si vous voulez. Franchement, avec cette création, vous avez carrément de quoi vous éclater. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. C'est le plus important. Je marque bien les plis. Hop, avant de refermer. Voilà. Hop, ça aide le papier, on le sait. Voilà. Est-ce que ça va tout le monde? C'est bon, vous suivez, vous êtes à fond. Voilà. C'est cool, hein? C'est cool. Si, alors... Je sais qu'il y en a qui vont me dire « Oui, mais si je veux que ça soit complètement à plat, du coup, j'ai du râpe derrière. » Ok, pas de problème. Mettez-le bien à plat et coupez ce qui dépasse. Sinon, eh bien, du coup, vous aurez quand même le petit volume qui a quand même son intérêt. Donc, voilà, sentez-vous à l'aise. Faites comme vous le sentez. Pour le coup, on va venir coller donc ce petit pli-là. Si tant est que la colle accepte de faire son job. Voilà. Hop.
si je mets bien à plat. Du coup, je vais venir couper après ce qui dépasse. Mais ça, c'est pareil, vous faites comme vous voulez. On suit, mais à faire plus tard. Pas de problème, Daniel. Avec plaisir. Tout est clair, ma Fafa. Génial. Toc. Toc. Voilà. Ok. Alors, soit vous décidez de couper ce qui dépasse, soit vous le laissez. De toute façon, c'est maintenu. D'abord, même, ça tient tout seul. En fait, oh, c'est trop cool. Donc ça, c'est génial. Vous pouvez le laisser dépasser, vous pouvez couper, bref, comme vous le sentez, mesdames. On va pouvoir coller cet ensemble sur le devant, pas de la scène, mais de la carte. Ok, ça va venir comme ça. Voilà. Nickel. Bon, il y a juste à coller. Et puis après, à passer à la déco. Et pour ça, je vais vous montrer le set de tampons que je vais utiliser. Il m'éclate. Alors, on va essayer de ne pas s'en mettre plein les doigts. Voilà. Voilà. C'est là qu'on est content d'utiliser de la colle pour pouvoir centrer. Un petit peu en décalé. À gauche. Voilà. C'est du papier blanc simple? Ouais, carrément, Martine. Oui, oui, oui. C'est le blanc simple. Toc. Voilà. Déjà, ça prend forme, ça tient, c'est nickel. Je vous montre tout de suite parce que j'avais quand même envie de faire un peu de colorisation. Et pour ça, j'utilise, bougez pas, ce set de tampons-là. Coucou Maryse, comment es-tu? Regardez-moi ces petits personnages comme ils sont trop craquants. J'ai tamponné le petit rhino, j'ai découpé au ciseau et je vais coloriser. Avec mes blends. Est-ce que tu crois qu'on peut mettre du rhodoïde derrière chaque trou pour faire une carte shaker? Oui, tu peux. Tu peux. Il y a de la place. Faudra juste que tu modifies un petit peu et du coup que tu mettes une feuille en dessous pour que ça maintienne. Mais oui, 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 je pense que c'est carrément faisable. Donc je vais utiliser celui-là et lui ici. Je vais juste m'amuser à coloriser. Regardez, j'adore. Vous savez hein, que j'aime ça, la colorisation. Donc, j'ai sorti tous mes blends ici. Alors, déjà, on va commencer par ardoise bourgeoise pour notre petit... Ah oui, ça, ça va alourdir la carte, ça, c'est clair. Hop, le petit rhino, on va le coloriser. Donc là, il n'y a pas de dies pour ce set-là. Mais les contours sont assez simples à faire. Hein, donc au ciseau, c'est absolument possible. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je prends celle-là alors que j'aime pas du tout. Voilà, à chaque fois, moi, c'est plutôt la pointe de pinceau. Est-ce que vous l'aviez déjà repéré, cette de tampon? Festive and fun. Je sais, il y a des trucs en anglais, mais on s'en fout un peu, en fait, hein. Moi, ce qui me plaît, c'est les petits personnages. Voilà. Bon, on n'a pas à se... Bon, on va se prendre la tête. Si ça nous plaît, c'est l'essentiel. Et moi, je les trouve trop mignons, ces petits personnages. Hein? Puis on a dit, on a besoin de couleurs, on veut de la joie, donc... on se lance. Alors, ma petite Suzanne, dites-moi tout. Est-ce que vous avez envie de venir partager un petit bout de moment avec les Stamp Lovers? Dites-moi. Je sais hein, que ça vous travaille. Mais qu'est-ce qu'il en est vraiment? Ok. Je vais prendre le sapin ombragé. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours tellement de mal à dire ce mot. Enfin, ces deux mots l'un après l'autre. Sapin ombragé. Pour moi, c'est très compliqué. Hop. Voilà. La petite couronne de Noël. Oh, de Noël, pardon. Surtout avec l'hippopotame. Oh, mais qu'elles sont mignonnes.
Je suis fan de girafes. Bah voilà ma petite Fafa, t'as vu ça un peu? Comment elle est mignonne? Je commence à apprivoiser les blends, mais j'ai eu du mal. Ouais, au début, ça fait toujours un peu peur, mais franchement, moi je les adore. Vraiment. C'est un pur bonheur pour moi de coloriser avec eux. C'est tellement évident, je trouve, tellement facile, tellement. Voilà. Allez, un petit cadeau en vert. Voilà. Toc. Regardez, je vais faire du clair comme ça partout. Je laisse une partie blanche. Je vais le faire que sur une moitié. Vous allez voir, je prends le foncé. Coucou Florence, comment ça va? Ah, on va pas prendre le foncé là. J'y suis allée un peu fort. Hop. Je prends le foncé ici. Ouais. Bon, je vais mettre du clair. Hein. Voilà, je vais en ajouter là. Et après, je vais venir mélanger là-bas. Voilà, pour donner de la couleur. Je suis obligée de vous laisser, je finirai en replay. Un grand plaisir, Carole. Merci d'avoir été là. Plein de bisous. Je vais prendre du bleuet des bois. On ne le voit pas beaucoup, ce bleuet, pourtant il est magnifique. Pour faire les petits osios qui sont là, je vais prendre le clair. Et les petits osios, eh ben, ils seront en bleu. J'ai vu cette inspiration sur Internet et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Ça change en fait. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Des petits osios bleus. Voilà, en plus c'est une couleur qui fait partie de la collection, donc autant se faire plaisir. Hein? Je fais récemment des coloriages avec ces feutres en mettant les feutres foncés sur le tour intérieur clair. J'ai été déçue du rendu. Il faut s'entraîner, il faut ne pas hésiter à aller chercher des conseils sur les réseaux, sur YouTube. Voilà, il y a moyen vraiment de les apprivoiser. Il faut tester en fait, parce qu'on n'utilise pas toutes les mêmes méthodes pour pouvoir coloriser. Parfois d'abord le clair, parfois le foncé. Et puis voilà, il y a plein de choses différentes qui peuvent être faites avec les blends. Et il ne faut pas, surtout pas avoir peur de tester plein de choses. Vraiment. Aucun problème, Suzanne. Vraiment, ce n'était pas pour vous embêter. C'est juste parce que je sentais la dernière fois que ça vous faisait envie. Et moi aussi, j'avais envie de vous accueillir parmi les stamps. Mais avec grand plaisir de vous pouvoir participer au live. C'est toujours un bonheur de vous voir ici. Le lueur estival ici. Voilà. On va venir mettre un petit peu de calico coquelicot. Vous savez à quel point j'aime le rouge. Il faut vraiment que je remette mes étiquettes. Voilà. Hop, on va lui faire les patins rouges. Hop. Et je vais laisser du clair comme ça ici. Vous allez voir, du coup, ça se verra mieux qu'avec le vert tout à l'heure. Donc là, je suis sur le clair, le calico clair. Je vais prendre maintenant le foncé. Donc, je vais venir déposer du foncé, mais pas partout encore. Voilà. Juste un petit bout là, comme ça. Hop. Très légèrement en haut. Voilà. Et du coup, maintenant, je vais reprendre le clair pour mélanger. Et après, je vais venir déposer du clair sur ce que j'avais laissé en blanc. Je vous zoomerai après, vous verrez. Et du coup, on a vraiment un focus qui est fait, en fait, beaucoup plus clair au niveau du nœud, vous allez voir. Là, je remets un petit peu de foncé par endroit. Je ne vous ai pas perdu, j'espère. Vous êtes toujours là? Dites-moi, dites-moi.
Voilà. Du coup, vous voyez, on a vraiment l'impression qu'il y a plus de clair au niveau du nœud. Et j'aime beaucoup aussi cette technique que j'avais apprise grâce à ma petite Agathe, que je remercie d'ailleurs. Un petit peu de lueur estivale ici, voilà, voilà. Et du coup, il me reste les petits bonnets. Là, on va faire les petits bonnets des petits osios. Toc, toc. Le reste, on va le laisser blanc. On va juste faire ici. Voilà. Des petits points de rouge au niveau de l'écharpe. Je ne vais pas coloriser l'intégralité. Voilà, on a l'impression que l'écharpe, elle est rayée rouge et blanc. C'est pas mal aussi. Je vais retourner sur les patins de notre cher Rhino, où je vais mettre juste un petit peu autour comme ça. Toc. Et je vais refaire du clair après. Merci Marie-France. Mais en fait, c'est parce que je me suis entraînée. Hein, ça, parce que voilà, j'ai testé plusieurs techniques. Parce que. Et j'ai en fait pas peur de tester. Voilà. Si je me plante, je me plante. Si ça me plaît pas, je recommence. En fait c'est ça l'idée, c'est de se dire à chaque fois qu'on joue pas notre vie en fait quand on teste un truc. Donc partant de là, et ben on y va, on essaye, ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis, c'est pas très grave. Je vais prendre le grenouille guillerette, n'est-ce pas, et je vais je peux vous dire qu'il ferme bien, prendre du foncé 1 sur 2, un petit bout de foncé là, je vais mettre ici, là, là, tiens c'est marrant, elle est en deux exemplaires là, toc, 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 je ne vais pas en mettre partout, vous voyez, je mets du foncé en haut des petits traits là de 1 sur 2, après je vais prendre le clair. Que prends-tu comme papier pour cette colorisation? Car moi, parfois, ça bave. Alors, en fait, je prends le blanc simple, tout simplement. Je prends également l'encre Memento, indispensable, évidemment. Et il ne faut pas hésiter à attendre quelques secondes de séchage de l'encre avant de se lancer dans la colorisation. Sur l'encre. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous apercevez bien, mais voilà, vous voyez, en utilisant le foncé et le clair, et ben du coup, ça donne vraiment une luminosité vers l'écharpe sur le vert. Et du coup, je fais pareil avec le rouge. Vraiment, il faut que je remette mes étiquettes. Donc, je mets du rouge foncé, pas partout, voilà, un petit bout, ici pareil, donc là je suis sur le foncé, toc, j'en mets pas partout, voilà, et après je vais venir mélanger ce foncé, je commence par le foncé ici, je vais dessus carrément, et après j'étale, et plus ça va, et plus en fait c'est clair, parce que je fonds le foncé et le clair ensemble, et comme il y a du blanc au bout, bah c'est un petit peu plus clair, et du coup ça nous permet de jouer avec ces ombres. Alors sur les minuscules petites parties, évidemment c'est plus difficile à voir, mais l'idée reste la même en fait. Alors, il y a peut-être des commentaires, je vais regarder, parce que du coup je ne vois pas si j'ai le nez sur mes trucs. Alors j'avoue que depuis toute petite je n'ai jamais aimé colorier, depuis que je scrape, faire de la colorisation, j'aime bien ça, surtout sur des petites surfaces. Parfait. Je regarde, pas de problème Martine, oui je sais, je traîne un petit peu, c'est pas, c'est juste histoire de pouvoir partager un peu avec vous cette partie de colorisation que j'aime vraiment beaucoup. Hop, un petit peu allez, de foncé ici pour notre traîneau, le foncé, le clair,
Donc je mélange, hop, et ensuite je vais faire sur la partie blanche et je peux accentuer encore un peu plus si je trouve que c'est pas assez ombré en remettant du foncé par-dessus. Voilà. Et là, hop, on peut mettre de l'ardoise bourgeoise au niveau de là pour accentuer l'ombre. Voilà, pour avoir cette impression de mouvement qui est assez sympa. J'ai cru que j'avais oublié de lui coloriser. Voilà. Toc, toc, toc. Et du coup, déjà, rien que ça va complètement habiller la carte. Donc, c'est vraiment tout simple. Je viens de voir une bête qui passait derrière mon clavier. Je crois que c'est une araignée. Voilà. Je vais continuer ma déco, je pense, hors caméra pour pas vous prendre trop de temps. Sachez quand même que j'ai déjà préparé, je vais l'attraper, la petite bébête qui est ici, que je vais aussi coloriser et que je vais venir coller, je pense, ici. Voilà, on va aller vers son pote. Et à l'intérieur, donc, ça, n'oubliez pas qu'il y avait un papier blanc, hop, qui vient ici. Et du coup, je vais mettre un message ici en utilisant ce set-là, que j'adore vraiment plus que tout. Je suis fan des grands sentiments comme ça, je vais mettre celui-là. Joie et bonheur à tous pour le nouvel an, parce que je vous avoue que, en ce qui me concerne, j'envoie très peu de cartes spécifiquement pour Noël, mais plus pour le nouvel an. Voilà, pour la nouvelle année. D'où l'intérêt pour moi de mettre des messages de fin d'année, de nouvelle année. Coucou Maya! Je n'arrive pas à bien colorier, donc des conseils, c'est super. Ça me fait plaisir Maya. N'hésite pas à revoir le live, j'ai donné des petites combines là. J'espère que ça pourra t'aider en tout cas. Gros bisous Rachel. Gros bisous tout le monde. Hop! Voilà. Voilà, ça. Rien que ça suffit à lui-même. Voilà, je vais coller ça là. Et puis, je vais finir la colorisation de la petite bébête pour pouvoir après vous partager tout ça sur mon site internet harmoniescrap.stampinup.net dans la rubrique Mes projets. Et du coup, vous pourrez retrouver le lien vers cette vidéo et vers la fiche technique. Sur ton enveloppe, n'hésite pas à noter sur le côté non machinable. Effectivement, c'est une très très bonne idée. Voilà. J'espère que ce projet vous a plu, que vous aurez passé un super bon moment. En tout cas, moi, c'est un vrai bonheur d'échanger avec vous pendant ces lives. N'oubliez pas donc à partir de demain les inscriptions pour le kit album. J'espère que qu'il vous plaira. Et puis, si d'ores et déjà vous voulez le lien, n'hésitez pas à me le demander. Les lives sont un régal à chaque fois. Merci Sandrine, c'est trop gentil. Je vous fais plein, 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 plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bel après-midi. Éclatez-vous, scrapez, faites-vous plaisir. C'est tout ce que je vous souhaite. Évadez-vous, c'est ce que le scrap nous apporte pour beaucoup. Alors, pourquoi ne pas en profiter? Je vous embrasse très, très fort. Je vous donne rendez-vous très, très bientôt pour un nouveau projet créatif, de l'inspiration entre-temps sur les réseaux, évidemment. Et puis, je reste à votre disposition si vous avez la moindre question, avec plaisir. Ciao, ciao tout le monde. À très vite.